Alors, bonjour à vous. Bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand. Et nous prendrons des tarots pour compléter les tirages. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, mais surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie de l'ange. Une énergie où on aide, on écoute et on comprend, où on est aidé et compris. C'est peut-être ce qu'on voit ici dans votre Lenormand. Donc, c'est une énergie tout en douceur, en ouverture des autres et en ouverture vers soi aussi. Donc, vous avez deux Lenormand. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Ne forcez pas les messages. Il y a une autre personne dans votre Lenormand. Et surtout, ne le genrez pas. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Mais parce que c'est la journée de l'ange et de l'écoute et de la compréhension, est-ce que c'est une personne à qui vous êtes capable d'ouvrir votre cœur, de dire les choses, vous êtes capable de partager? Parce que ici, on voit que dans la maison, il y a beaucoup d'émotions qui se produisent. Est-ce que c'est le lieu, la maison, où vous vivez finalement votre amour, où vous vivez finalement toutes vos émotions que vous êtes capable de ressentir? De voir. On dit la maison, des fois c'est le lieu physique, mais parfois c'est notre intériorité, on vit ça de l'intérieur et peut-être, comme je vous dis, que vous partagez tout ça avec cette personne. Si c'est une tierce
qui est là, finalement, mais j'ai l'impression qu'elle prend tellement de place dans votre vie, cette tierce-là, que parfois, vous y pensez peut-être plus à elle qu'à votre autre. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être aussi que c'est une tierce, mais que vous êtes très proche d'elle parce que ça fait partie d'un cercle d'amis. Là, voyez comment ça vous parle, mais cette personne-là, vous la regardez quand même en face et vous semblez y mettre beaucoup d'énergie, c'est ce que je peux voir. Pour votre autre, écoutez, il est en plein centre de sa journée. J'ai l'impression qu'il contrôle un peu certaines situations. Vous avez tous les deux le bouquet. Donc, je pense que vous avez des sentiments très doux l'un pour l'autre. Le goût d'être ensemble, d'être bien, de nouer quelque chose, parce qu'il y a quand même une belle boucle autour de ce bouquet. Donc, je pense que ça peut parler. Mais regardez ici, est-ce qu'il y a eu des quiproquos avec cette personne-là par rapport à l'intimité? Est-ce que cette personne-là, elle tente de vous dissuader de vous rapprocher de l'autre? C'est possible aussi, parce qu'on a quand même le fouet qui est là. Le fouet, c'est des discussions intenses. C'est des fois, on a des divergences d'opinion, on pense pas pareil. Il y a peut-être une petite chicane, une dispute. Il y a quelque chose où, à tout le moins, il y a du ménage à faire dans tout ça. C'est ce qu'on peut voir. Et monsieur est tourné vers le serpent et le bateau. Est-ce qu'il se demande s'il va s'éloigner, se rapprocher d'une tierce, d'une personne, de quelqu'un de son entourage? Il est à réfléchir. Peut-être que c'est déjà fait aussi, c'est tourné vers le passé. Peut-être qu'il s'est déjà éloigné parce qu'il veut se rapprocher d'une façon plus douce, comme je vous disais, avec ce bouquet. Lui aussi, il est tourné vers la maison, vers l'intériorité. Est-ce qu'il vient vous rendre visite? Est-ce qu'il il vient vous rendre visite aussi, parfois même virtuellement, là, dans votre cellulaire ou dans votre portable, à vous de voir? Donc, est-ce qu'il ne vient pas dans la maison de cette façon-là? C'est à voir. Pour ce qui est de votre lien, écoutez, même chose, il y a encore, bien, vous êtes là, hein, vous, votre autre et vous, voyez que si vous êtes homme ou femme, mais il y a encore une tierce personne, et regardez, il y a le pont entre les deux. Est-ce que j'avance, je recule? Ils se tournent le dos, par contre, ils ne sont pas proches nécessairement, ils ne sont pas attirés nécessairement l'un vers l'autre, mais il y a quand même le pont qui se fait. Est-ce que c'est parce que ça a déjà été un couple et ils doivent régler des choses ensemble? C'est possible, mais monsieur est plutôt tourné vers vous, et vous, madame, il y a une montagne entre vous deux, finalement. Donc, vous voyez qu'il y a des choses à surmonter. Il y a des choses difficiles. Il y a ce balai-là à prendre. Il y a des discussions peut-être à avoir. Parce que tout n'est pas si simple que ça. La montagne n'est pas encore traversée. Vous la voyez. Vous le savez qu'il y a quelque chose à faire. Puis j'ai l'impression que cette montagne-là, c'est peut-être en lien avec ce binôme-là que je vois ici. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vous parle dans cette ligne. Nous allons compléter les messages ici. Trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons le cavalier d'épée, le page de pentacle et la neuf d'épée. Écoutez que, excusez-moi, le page de pentacle, c'est celui qui établit un plan, mais un plan très doux, qui est capable d'étudier une situation, de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Puis j'ai l'impression que ce plan-là, vous l'élaborez beaucoup le soir venu, la nuit, quand vous êtes chez vous, que vous êtes sur le point de vous endormir. C'est là que toutes les réflexions se passent, que vous pensez à comment vous allez communiquer, comment vous allez dire les choses, quel type de mots vous allez utiliser. On dirait que vous êtes beaucoup dans votre réflexion de comment le faire. Vous n'êtes pas encore dans les motifs, dans les coupes, vous êtes plutôt dans les épées et dans la structuration de tout ça, c'est ce que je peux voir. Pour votre autre ici, on a le hiérophante, la mort et le 2 de pentacle. Il y a quand même deux arcanes majeures, donc le hiérophante et la mort. La mort, c'est qu'on doit terminer quelque chose pour débuter autre chose. Donc, est-ce que c'est ça? C'est un éloignement qui doit se faire avec une personne pour se rapprocher de vous. Puis, il est en train d'y réfléchir. Il fait peut-être secrètement. Le hiérophante, parfois, il est beaucoup, beaucoup dans le secret. Il ne va pas tout dire les choses, mais il est beaucoup comme l'ange dans la compréhension, l'écoute. Je pense qu'il le sait, qu'il doit terminer quelque chose, il le comprend, il est dans l'écoute, mais il veut le faire avec sagesse parce qu'il est dans le 2 de pentacle. Il est hésitant pour peut-être éviter de faire de la peine, pour garder peut-être les pentacles aussi, des fois c'est l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'économique là-dedans, de financier? C'est pour ça qu'il est très, très hésitant à terminer quelque chose et qu'il réfléchit à la façon dont il va le faire.
Autre petit message, méfie-toi de tes projections. Ça, c'est la 9 d'épée. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ça, c'est vraiment la 9 d'épée. C'est des projections. On projette des choses, on se fait parfois même des scénarios à tort ou à raison, mais on a besoin de se méfier. C'est ce que le message est en train de nous dire. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc, est-ce que c'est le hiérophante qui est en train de dire « je fais une promesse, je me fais même une promesse à moi-même, excusez-moi, parce que je veux aller plus loin, je veux cheminer. » Ici, nous serons à nouveau ensemble. Donc, ça, c'est les bouquets ici que je vois avec la maison. Je le place entre vous deux, mais vous allez être à nouveau ensemble. Vous êtes en train d'élaborer tout ça et les choses se placent. Petit conseil du jour, liberté, autonomie et mobilité. Elle sort souvent, cette carte-là, mais je trouve que c'est un conseil qui est judicieux. Il faut se donner la liberté d'avancer pour pouvoir aller dans une direction commune et c'est ce que je vois pour vous aujourd'hui durant la journée de l'ange. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit. Mettre un petit pouce, je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.